Clémence, premier match de National 2, la réserve de Pessac s'impose. Première réaction ? Très très contente. Franchement, on a fait un bon match, même si on s'est fait peur début de deuxième mi-temps. On a pris un 4-0, il me semble, 5-0. Ou même 5-0. Et derrière, on a laissé passer, on va dire, l'orage. Et après, on a bien réagi collectivement. Donc voilà, c'est ce qui fait plaisir. Et je pense qu'on servira de ce match comme référence pour les prochains. J'aurais envie de dire référence offensive, peut-être plus que défensive. Qu'est-ce que tu en penses? Oui et non, je pense, parce qu'on a quand même des repères en défense qui sont intéressants. On a été ensemble, on a essayé, on est sur une défense de zone, donc on est beaucoup à communiquer, à parler ensemble, mais il y a encore du travail, bien sûr. Mais on essaye au maximum d'accentuer cette défense, car notre projet, c'est quand même de récupérer des balles et arrêt gardienne plus récup de balles pour monter la balle sur grand espace et mettre en place notre vitesse, une vitesse de jeu. Oui, on t'a vu en marquer quelques-uns en contre-attaque. Un bon souvenir. Ouais. Mais aussi, on a vu de beaux shoots à 9 mètres de différentes joueuses. C'est vrai qu'on a de sacrées qualités physiques, notamment sur la base arrière, avec de très très bons potentiels, sur arrière gauche et arrière droite aussi. Et ça, c'est vrai que ça nous débloque certaines situations, et ça fait du bien quand les joueuses shootent de loin, ça apporte une plus-value pour nous en attaque passée. Le match a été une sorte de chassé-croisé où il y a eu temps faible, temps fort des deux équipes qui ont mené tour à tour jusqu'à ce que vous preniez définitivement l'avantage. Tu as une explication à ça ou... Pas forcément, je pense qu'on est les deux équipes un peu en rodage, c'est le premier match de championnat, donc forcément on n'a pas encore tous nos automatismes, on va dire, d'équipe. Et il y a eu des temps faibles et des temps forts pour les deux équipes. Donc nous on a su tirer notre épingle du jeu. Après il y a un fait de jeu avec le carton rouge, je pense, de leur joueuse à la 97. Qui est quasiment la meilleure joueuse. Voilà, donc du coup je pense que ça leur a mis un coup à elle aussi, et puis nous on a su en profiter. Donc je pense qu'on a mieux géré ces temps forts, temps faibles qu'elle, et c'est ce qui nous amène à gagner cet après-midi. Oui, et puis vous aviez plus de rotation en plus. Ouais. Exactement. Donc un premier match victorieux qui rassure, qui donne moins de pression. C'est très rassurant pour nous parce qu'il y a eu pas mal de changements à l'intersaison. On a un groupe très très jeune. Vous avez changé de base arrière. Voilà, complètement. Et y en a pas mal qui sont très jeunes dans le groupe, avec des joueuses qui ont moins de 18 ans et qui sont encore en train d'apprendre et de se former. Donc du coup, je pense que là, ça va vraiment nous rassurer et prendre confiance en nous collectivement, de dire on est capable de faire ces choses-là. Donc maintenant, on y va et on augmente petit à petit notre exigence collectivement.